l'artiste de la semaine sur RCM, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 13h15. Cette semaine, focus sur le groupe originaire de Metz, Backstage Rodeo. Depuis un an maintenant, ils font le buzz autour d'eux, deviennent les idoles des jeunes grâce notamment aux réseaux sociaux et au podcast. Celui de Norman fait des vidéos en tête. Avec nous, François, Vincent et Pierre. Salut. 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 Joli coup de pouce hein, pour Backstage Rodeo. Norman fait des vidéos. Ouais. Disons que la génération qui cible avec ces podcasts qui ont un succès énorme, c'est vraiment la génération, une partie de la génération que nous, on peut cibler avec notre musique, puisqu'on parlait, c'était l'autre jour, du renouveau. Justement du rock depuis ces dernières années auprès des jeunes de la nouvelle génération. Donc on est à peu près le même public. Lui qui utilise sa notoriété pour nous injecter un peu aux yeux de tous ces gens là c'est vrai que c'est énorme pour un groupe émergent. On peut vraiment pas rêver de grand chose de plus. Et puis le 12 janvier cette année, on l'a évoqué mardi, vous êtes produit à Paris dans le cadre de ce Zapping Amazing au Grand Rex. Il y avait beaucoup de monde, c'était sympa. Ouais, alors c'était vraiment une soirée géniale. Ils ont rempli, je crois, ouais, ils ont fait sold out en quelques jours seulement, alors que sans promotion. La promotion avait été faite uniquement sur Facebook. Et non, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Toute la journée, cette espèce d'ambiance entre mélanger les humoristes avec les musiciens, c'était vraiment bien. Cette pression qui montait pour tout le monde, puisque finalement il y avait vraiment que nous qui étions expérimentés de la scène. On s'en est rendu compte que eux, ils faisaient ça dans leur chambre, chez eux, tranquillement. Ils étaient vraiment paniqués de la scène. Et il m'est arrivé d'aller voir quelques humoristes et de leur dire « Mais ça va être bien, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, ça va être super, vous allez voir. » Alors que ça me paraissait tellement inconvenu, puisqu'ils ont des millions et des millions de vidéos sur YouTube. En fait, c'était vraiment ce passage devant le public qui les inquiétait. Hors scène, quand ils sont pas stressés, justement, avant de monter sur scène, ils sont comment, Cyprien et Norman? Tout le monde se pose cette grande question. Bah oui, dites-nous. Norman, il est assez fidèle à lui-même. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a du succès. C'est parce qu'on... les gens sentent qu'il est naturel. En ce moment, Norman et puis un autre podcasteur vous font de la pub sur Internet. C'est ça, bah du coup, ils se sont passé le mot parce qu'une fois que Norman avait pris nos chansons, nos CD, ils nous ont avoué qu'ils se le passaient tout le temps dans la voiture. Donc toute cette bande de potes s'est rapprochée de notre musique et puis ils se sont mis à les utiliser aussi dans leurs vidéos. En plus, ils nous ont vraiment rendu l'appareil parce qu'ils vont tourner dans le prochain clip. Norman, la ferme Jérôme, Jules Fou et la copine de Norman. Et pour vous, occuper la toile, Internet, c'est un moyen de promotion énorme. C'est devenu indispensable dans le sens où si on le fait pas, c'est les autres qui vont le faire. En fait, tout le monde le fait. Donc on est obligé d'être présent. Après, c'est sûr que pour les gens qui nous suivent et qui aiment bien notre musique, c'est bien. Parce que ça met, y a du contenu beaucoup plus rapidement. Je pense que ça sert à tout le monde, ça sert aux fans et ça sert au groupe. Ce succès-là, vous auriez pu le faire sans Internet ? Non, on n'aurait pas pu le faire sans Internet et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a enregistré nos trois premiers titres dans la cave d'un copain à nous à Metz en janvier 2007, le lendemain, ils étaient sur Internet et c'était comme ça qu'au lycée, tout le monde se les passait. Et je me souviens d'arriver le lendemain au lycée et que tout le monde me parle des titres. Beaucoup d'organismes qui repèrent un petit peu ces nouveaux talents, entre guillemets, ceux qui feront les artistes accomplis de demain. Et on remarque qu'aujourd'hui, c'est simple, ils ne cherchent que sur Internet. C'est par Internet qu'on pose des candidatures pour des tremplins. Ouais. Maintenant, tout ne marche plus que comme ça, de toute façon. Parlons du nom, là, pour terminer, Backstage Rodeo. Vous êtes dit quoi quand vous avez formé ce groupe-là? Pourquoi le terme Backstage? L'idée, c'était de mettre en avant aussi ce qui se passait dans les coulisses, de dire on n'est pas que des musiciens sur scène. Bon, Backstage Rodeo, disons que ça n'a pas une signification bien exacte. C'est des termes, des consonances qui sont censés ressembler à la musique qu'on fait. Backstage Rodeo, alors il y a effectivement Backstage qui fait penser à la scène et qui nous rapproche de ce côté très scénique qu'on a, c'est-à-dire que notre musique, il vaut mieux, je pense, la vivre en concert. En CD, c'est très bien aussi, mais c'est sur scène que ça prend toute son ampleur, selon mon avis. Et Rodeo, c'est encore une fois, ça démontre... ça fait part d'une certaine énergie, d'un certain relâchement, d'une certaine mise en danger aussi. Donc voilà, disons qu'on dit, qu'on pense avec ces Rodeo, qu'on entend ça... On ne se fait pas forcément une image dans la tête, mais on a quand même un univers qui apparaît. Tout le monde se fait sa propre signification au final. Et un univers qu'on va redécouvrir aujourd'hui encore avec un nouvel extrait. Vous êtes venu avec un autre titre à nous présenter. Ouais, on est venu avec le titre Big N, en fait, qui avait fait l'objet d'une campagne de pub du Crédit Agricole à la télévision. Donc je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, mais voilà. Et bon, écoute, on se retrouve demain pour notre dernier rendez-vous. Ciao. Ciao. Salut. Merci, salut.
l'artiste de la semaine sur RCM, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 13h15. 15.